Bon, du coup, on fait ça comme ça. Vraiment, je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir toujours des problèmes avec ce jeu. Hein. Et c'est peut-être, ça sera peut-être moins la galère, du coup. Alors, ah oui, si, aussi, on va mettre la manette aussi. Tant que j'y pense, on va se mettre la petite manette. En tout cas, bonsoir à ceux qui arrivent. Installez-vous bien. On va jouer à Detroit Become Human, qui est vraiment un jeu banger absolu, bien sûr. Ah oui, il faut que je mette ça et hop. Non, et hop. Parfait. Et on va démarrer live TikTok aussi en même temps. Ah, je sais, streamer polyvalent ici, bien sûr. Non, je suis allé faire les magasins. Il y avait un monde fou, donc des boomers qui restaient au milieu des allées à discuter. Et moi, ça m'a rendu chèvre. Putain, l'aide. En vrai, franchement, big respect à ceux qui sont allés faire les boutiques, etc. Aujourd'hui. Les paramètres ont été sauvegardés. Oui, t'inquiète. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Non, vraiment, faut dire les termes. Mais là, vous avez tous fini vos canons de Noël ou pas? C'est vraiment, c'est la catastrophe. Hein. Et le pire, ça va être samedi. Hein. Samedi, ça va être un raz-de-marée. Hein. Là, j'ai pas prévu de sortir du coup. Hein. Samedi, je vais hiberner, je pense. Tranquille. Ça devrait le faire. Mais du coup, est-ce que tu as trouvé tous tes cadeaux? Coucou Boule Pollen, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va vous? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Samedi, je reste à la maison. Là, on met petit dodo là. Petit travail. Ok. Donc là, on revient. On est sur Connor. Pareil, hein, n'hésitez pas si le son du jeu est trop fort ou quoi. Vous me dites. Alors, j'avoue que j'ai pas trop d'idée de ce que je fais ici. Vous avez des petits parcs comme ça chez vous, là? Ouais, c'est tout mignon, hein, mine de rien. Trouvez Amanda. Ok, je sais pas qui est Amanda. C'est pas mal, hein. c'est pas grave. Hein. Ouais, bon, au moins, tout est fini, donc c'est pas plus mal. Moi, j'avoue que j'ai tout fini mes cadeaux aussi, donc ça m'est bien. Ça m'est bien. J'ai rien comment... Oula! Et Shana, tu veux y aller samedi? Chez moi, c'est la cata aussi. Si tu bosses... attends, tu bosses aussi ou pas? Ah non, ouais, non, c'est genre en mode la cata aussi, genre dans mon centre-ville. De toute façon, là, ouais, là, les centres commerciaux, les centres-villes, là, ça va être une... Mais je déteste. Je déteste quand il y a énormément de monde. Moi, j'aime bien être tranquille dans les magasins. C'est solo, y a personne qui te fait chier, y a personne qui te presse... Tu te gares facilement aussi. Parce que, oh, le tourner en rond, là, pour trouver une place de ces... Non, ça, c'est... Et en plus de ça, parce que souvent, quand t'as du monde, du coup, tu peux pas passer. Du coup, les gens, ils marchent lentement. Et ça me stresse encore plus. Coucou, Fanny, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça a été ta journée. Tranquillo. Du coup, bien, oubliez pas, un week-end de 3 jours aussi. Hein. Dès demain soir, là. Ça va faire du bien. Hop. Ok, bah alors du coup Amanda elle est au middle là. Mais je préfère faire le tour d'abord. Enfin, je sais pas où elle est Amanda. Amanda c'est un pigeon? Oh ouais, peut-être. Amanda c'est un petit pigeon. Bon non mais j'ai préféré faire le tour, j'aime bien un peu me balader. Vous savez, respirer l'air frais du parc et tout, ça m'est bien. Oh c'est pas mal. En congé moi surtout. Ah mais voilà, ça va faire du bien. T'as des vacances jusqu'à quand? T'as pris quoi, une semaine Gus? J'ai pas encore réfléchi à tout ça. Après, si tu veux, en vrai, si vous voulez des idées cadeaux, n'hésitez pas. J'avoue que moi, en vrai, en idées cadeaux, je suis plutôt chaud. Vraiment, ça se. Ok, bon, vas-y. On va te parler à toi avec plaisir. Bonjour, mon gars. Connor, contente de te voir. En vrai, Intermarché, c'est un gros Intermarché? Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Tu as fait preuve d'une compétence remarquable. Mais tu savais que les déviants pouvaient être instables. Tu aurais dû faire plus attention. Je pensais pouvoir le faire parler. Erreur de jugement de ma part. Peu importe. Je suis sûr que tu seras plus prudent à l'avenir. Mais c'est qui, elle ? C'est la déesse des androïdes ou c'est comment là? Délicat. Elle a l'air quand même un peu chiante, hein. Traumatisme, déviance. Bah, du coup, c'est un peu un traumatisme. Hein. Des signes de stress post-traumatique. Ah non, mais ok, du coup, je devais dire ce que je pensais du déviant. Si on avait essayé de remplacer et pas son des déviants. Par de nouvelles instructions.
Ben oui, il a été traumatisé, bien sûr. Wouk Aliloutre, bonsoir à toi. Je sors de mon leurre, j'étais sur le raid de Dipson. Et je rentre des magasins, je confirme, c'est l'enfer. Oh merde, j'ai pas suivi. Des agréables dysfonctionnels. On va dire qu'il était dysfonctionnel. Comme ça, on va lui faire plaisir. Je le qualifierais de dysfonctionnel. Ouais. Après, en vrai, c'est vrai, il a été un peu dysfonctionnel, mais en même temps, il se fait. Il exprime. Aucun intérêt pour l'enquête. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Amical ? Bah en vrai, amical adaptation. Je ferai mon possible pour établir. Je pense que c'est le mieux de faire une relation amicale avec lui. Si je parviens à. Mais pourquoi elle aime pas ? Mais à un moment, tu fais chier ? Coucou Brune, comment tu vas ? Ça peut aller, moi ça va bien, hein, Fanny. Force à toi en tout cas. Eh, bientôt le week-end là. T'es en vacances ou pas d'ailleurs, Fanny ? S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Waouh ! Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Donc en fait, nous, on est un peu l'élite des androïdes. Sur moi, Amanda. Ah ouais, Amanda la boss, elle a l'air un peu aigrie quand même, hein. Moi là, je suis parti sur elle un peu aigrie, hein. Fais vite, Connor. Ok, la on boss, ok, temps. on verra. Mais en vrai, moi, je trouve qu'elle a l'air aigrie de fou. C'est vrai. Ok. Moi je pense qu'il faut qu'on batte sur des relations amicales avec les androïdes. Ça marche, y'a pas de soucis à toutes. Ne reviens après pour suivre ta vie en tant qu'androïde. Y'a pas de soucis. A tout à l'heure. Bon app, Zoria. Bon app. Je sais déjà ce que je vais prendre, je pense. Je suis curieuse de savoir quelles sont tes supers idées. Bah, moi je sais pas. C'est vrai que ça se fait plus, tu vois, au coup par coup. Je sais qu'en ce moment, par contre, Micromania, ils ont fait pas mal de petites promos. Vous avez plein de figurines, genre à 20 balles. Des super figurines, genre par exemple, si quelqu'un aime les animés ou quoi, il y a vraiment des petites figurines super sympas pour 20 euros à Micromania. Là, on est sur des IG un petit peu petit budget. Après, Jiffy, j'avais trouvé des néons super sympas. Genre il y avait un néon apéro 15 euros, tu vois, enfin ça j'avais bien kiffé. Après ouais, t'as des plus gros budgets, t'as tout ce qui va être Lego aussi, je pense que ça peut être le kiff. Jeu de société aussi, je pense c'est un peu sous côté. Non, j'ai pas fait Heavy Rain, Gus, et c'est du coup ça sera je pense l'objectif après. Je pense que on finit le jeu et après on fera Bah du coup ok, donc là il faut que je reste derrière la ligne, mais du coup vas-y, on va aller discuter avec madame. Elle nous a vu un peu nous trémousser, elle a pas compris, hein. Je viens voir le lieutenant Anderson. Ouais. Tu as une autorisation ? Ça fait très savoué, oui. Elle fait très un peu bah du coup un peu android. Il a un ton de voix, Donald Renew, sur le coup là. Le franchement c'est top. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Mais oui, elle a pas l'air sympa. Ok, cherchez le lieutenant Anderson. Alors est-ce que du coup j'ai des choses à aller récupérer ici ? Non, j'ai pas de choses à aller récupérer, c'est pas grave. Bah pour l'instant, en vrai, j'avoue que j'aime beaucoup Detroit Become Human, genre, parce que l'histoire elle est intéressante et surtout très 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 touchante. J'avoue que pour l'instant j'ai pas encore checké de quoi ça parlait. Heavy Rain, je crois que c'est un truc d'enquête un petit peu, mais Le ministre de la Défense, Death Reed, a dénoncé une provocation intolérable à laquelle il convient de réagir. Les pays aux alentours... Attends, mais LB, c'est ça, LB ? Oui, c'est ça, ok. Ok, en fait, il faut que je regarde là. Ouah ! Tous les officiers là ? Mais attends, mais jamais je les retiens par contre. Est-ce qu'on peut leur T'es parler ? Encore là ? Mais non ! Je croyais que ta mission était finie. On vient de la prolonger. Oh putain, non ! Je voulais prendre le temps d'aller tout checker. T'avais raison à propos de l'androïde. Il est resté sage toute la nuit dans sa cellule. Le transfert. Waouh, demain les vacances, ça va faire du bien. Je sais même pas ce que c'est. Tu connais pas Detroit Become Human, Brune ? Alors en vrai, pour faire un petit rappel, attends, on va faire un petit rappel si vous voulez, ok ? En vrai, j'avoue qu'on j'aurais dû commencer par ça. Bien rythmé, j'ai eu un cadeau de dernière minute à faire. J'ai dû speeder à Lyon. Mais ouais, le monde c'est fou ! C'est pour ça, la force à tous ceux qui sont allés en ville, là, Caliloutre, Boulpolène, force à vous. Force, vraiment, c'est chaud. Est-ce que je peux... Ah merde, je peux pas... Putain, il y avait un truc à faire avec à côté d'Amanda. Trouver la pierre magique, il y avait autre chose. Ah merde, je peux pas... Ok. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on finisse ça. Et dès qu'on l'a fini, on ira justement faire un petit débrief de l'arborescence. Ok, attends, il n'y a pas de nom, il faut que j'aille de l'autre côté. Frérot ? Bah, il n'y a pas de nom là. Ok.
Ah mais il est pas là. Excusez-moi. Oh mais non mais putain. Savez-vous voilà c'est ça. Il fallait vraiment que je prenne mon temps là. Ça dépend où il a passé. Du coup j'ai peut-être pas tout débloqué. Connor qui est LBG. On le verra avant midi. Mais attends parce que faut faire gaffe parce qu'il y a eu la il y a la team Marcus. Hein. Non je veux pas m'asseoir si. Putain je dois m'asseoir. Il y a la team Marcus aussi qui est pas mal présente hein, ici hein, ce soir. Moi aussi plus que l'examen de demain. Et ça va, tu penses que ça va le faire l'examen de demain? Force à tous en tout cas. Allez, plus que demain soir et après chill les vacances, etc. Ça va faire du bien. Ouais, franchement, les jeux de société, je trouve ça super sympa. Puis c'est pas super cher. Enfin, on est sur un budget à. C'est à genre. À genre 15, 20, voire 30 pour les plus gros, mais. C'est sympa. Putain, je vais me prendre en flag là. Collecte de traitement de données. Night of the Black Death. Ok, il écoute du heavy metal. C'est tout? C'est tout ce que j'ai appris sur lui là. Appelez Hank Anderson. En fait, je suis en train de fouiller son bureau là. C'est une enquête sur un. Oh, si ça peut m'intéresser ça. Laissez un message raccroché. Non, moi je veux raccrocher parce que j'ai envie d'aller voir un peu le reste. Parce qu'à tout moment il va. Parce que là il y a quoi? Il y a la lampe. Ah non, c'est le livre. Ok, donc c'est. Mort d'un célèbre peintre. Non! Oh, ben ça c'est lui qui est mort à cause de. Il est pas mort à cause de nous. Parce qu'on a été gentil, on l'a écouté. Il y a eu un petit souci, etc. Répond à la mise en garde de Warren. Très bien. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres choses à aller regarder? Est-ce que je peux aller là? Est-ce qu'il y a des. Il va me trouver bizarre, non? De venir. Ok, je peux pas y aller. Ok. Bon, je peux pas. Ok, bon, en vrai, tout se passe ici alors. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres choses à faire. Bon, vas-y, on va. On va pouvoir analyser ce qu'il a sur son bureau. Oui, c'est un peu chelou quand même. Hein. Si vous discutez, ouais, non, son timing, ouais, c'est je sais. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut que je fasse attention à ça et. Évidemment, ça peut aller très vite. Ok. Parce que là, du coup, on en a un. Là, c'est sa casquette. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, 90% coton, 10% polyester, casquette de Détroit. Très bien. Hop, là, qu'est-ce qui nous a préparé là? C'est quoi ça? Des allumettes, Jimmy's Bar. D'accord, il fume du coup. Le monsieur fume. C'est quoi ça? Des poils de chien de Saint-Bernard. Très bien. Ok. Cellule spéciale Red Ice 2027. Unité interdépartementale responsable du démantèlement du réseau de trafiquants de Red Ice en 2028. Ok. Des donuts. Il avait la dalle. Calories 452. Grasse saturée, 13 grammes. Putain, ça me fume de rire. Tasse de café froid, ça me dégoûte. Petit bonsaï, bon, il est mort, mais c'est pas grave. Putain, à l'aide, ça me fume de rire. En fait, il y a tout qui est explosé là. Mouchoir. Ok, on n'ira pas plus. Alors, la police de Détroit démantèle un réseau de distribution de Red Ice. Plus de 50 arrestations ont eu lieu à travers tout le pays. Les forces de police de Détroit ont porté un coup au trafic florissant de Red Ice qui ravage la ville. Ok, très bien. Ça, y a pas de souci. L'inspecteur Anderson promu au rang de lieutenant. Ok, donc c'est celui qu'on cherche. Ok, d'accord. Une nouvelle saisie record de Red Ice. Ok. Donc c'est vraiment, ça parle de drogue, etc. Ok, donc c'est un bon officier, quoi. Ah ouais, mais oui, mais je suis con. En vrai, c'est que c'est notre pote, mais bon, il ressemble plus à rien, quoi. Hank! Il est quand même passé du lieutenant et tout bien décoré à pas grand chose quoi. Team Connor de ouf, on fera un sondage. Un peu plus tard à soir, on fera un sondage sur ça. C'est la psycho donc un peu tendu mais on va le faire. Tout donne tout Brune. Vraiment ouais, croyez en vous, tout est pas de vous, ça va le faire. Et puis après pensez aux vacances. J'avais pas envie de tout commander sur internet et j'ai fait pas mal de petites boutiques. En vrai c'est cool mais le monde. Mais c'est pour ça en vrai, toujours essayer de faire ça avant. Ouais. Des petites vieilles qui perdent leur Android ou des trucs dans le genre, tu vois. Oh, il a un rhume, ouais. On nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide. Des mouchoirs sur son bureau, hein. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. Ok. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup.
Avant que ça chie à plein tube. D'accord. Non, mais sympa. Non, mais sympa l'ambiance. Avant que ça chie à plein tube. Oui, c'est... Oui, non, bonne ambiance, ouais. Pourquoi moi? Pourquoi tu me demandes à plein de gérer ces conneries? Ça me dégoûte, mais en même temps... Je suis qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en Android, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. CyberLife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi? J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Eh oh! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Y'a tu es censé faire ce que je te bonne demande soirée, Yuneo, et fermer ta grande gueule. Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule, hein? Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde! Cette discussion est terminée. Ça, c'est toujours pas... En vrai, Kalilou, c'est toujours pareil à Noël. Tu sais à quel point je déteste ces merdes. Pourquoi tu fais ça à moi? C'est normal. Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Bon allez, bouge ton cul là. Allez, il faut que ça... S'il te plaît, il faut qu'il... Anderson, enthousiaste, dossier, laissé. Bah si, vas-y, on va aller. Je me demande si le lieutenant Anderson est vraiment la meilleure personne pour mener cette enquête. Quoi? Hey, j'ai pas besoin d'une machine pour me dire comment gérer mes troupes, ok? Non mais je voulais pas dire alors, ça. Alors tu dégages de mon bureau. Ah non mais par contre, je voulais pas dire ça du tout. Non mais Anderson, je suis en mode j'allais le rattraper, tu sais. Comment le message y passe? Attendez, pause. Comment le message y passe là? Faudrait m'expliquer là. Ah, pas compris. J'ai pas compris comment le message passe. Bon, c'est pas grave. Ok, on repart là-dessus. Ok, faire avancer l'enquête. Allez voir le déviant, allez voir Hank. Ok, ok. Après, je sais pas trop où il est le... Le déviant, est-ce que j'ai d'autres choses à regarder? Bon, je pense qu'on va commencer par aller voir Hank, ce qui reste le plus simple. Après, putain, mais du coup, j'ai dit vraiment de la merde. Compréhensif, pragmatique, constructif. On va essayer d'être constructif. C'est un honneur de travailler avec vous, lieutenant. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Mais oui, c'était la violence. J'arrive, je lui dis en mode, non, pas toi, partenaire enthousiaste. Ah putain, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas débloqué. Ah mais c'est peut-être d'un round d'avant, c'est possible. Partenaire enthousiaste. Bah, en vrai qu'on soit... En vrai non, parce que partenaire il va se dire oui, non moi je suis pas à la même hauteur qu'un robot de merde. Donc on va être enthousiaste. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je vous, il est juste en mode ok. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Le pauvre. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Ah ça lui plaît. Tu vois, je pensais pas que ça allait lui plaire. Il a l'air... Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Il a l'air quand même de kiffer, hein. Ok, bah très bien, comme ça on est en face. Mais voilà, on va ouais, avec notre super pote Hank. Analyser les fichiers sur les déviants. Ok. Ah mais voilà, bah oui, je suis con. C'est pour ça. Alors, est-ce que j'analyse ça? Est-ce que je vais voir... Est-ce que je vais le voir? Non, vas-y, je pense qu'on va essayer d'analyser les fichiers. Tranquillou, on va commencer par ça. Chien, basket, musique, haine des androïdes. Quoi? Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Bah bon, on va parler de ça. Qu'est-ce que tu veux en vous de parler de chien? Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez? Mais non, mais dis pas ça comme ça. Il va te chier dessus. Il y en a bien une. Parce que tu voles mon boulot, connard. C'est sûr. Qu'un chat, le Hank. Mais oui, c'est ça. Mais vous avez vu comment il est relou? Bah oui, c'est un vieux aigri. Bon, on peut lui parler de yinche, de basket. Oh, de musique. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? Oui. J'aime beaucoup cette musique. Oh, trop bien. Elle ça, c'est pas mal ça. Tellement dynamique. Oh, le boss. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Ok, bah vas-y, en vrai, on va lui parler de tout, là. Vous êtes fan des Gears de Détroit?
Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Ok, en fait, on va lui parler de ce qu'il aime. J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Ok, oh. Coucou Prinzeror, comment ça va? C'est pas pour ça qu'il t'aime pas. Ok, on verra bien. On peut parler vous des chiens, chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Oh. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais putain, arrête d'être gris, Hank! Sumo. Mais vous êtes... Il s'appelle Sumo. Il est... Vous avez vu un mec aussi gris que ça? Ça va bien, Freezer, ça va bien, ça va bien. C'est une bonne journée, donc... Et en plus, on termine ça en beauté sur un stream, donc banger. Se mettre au travail. Bon, vas-y, en vrai, on va se mettre au si travail. Vous avez des fichiers sur les déviants. Bah, il est timide. Bon, quand même. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. T'as reçu quoi, Prinzeror, comme manga? Ouais. Ok, bon, vas-y, on va accéder au bureau. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ok. Le plaignant affirme avoir laissé son android chez lui en partant travailler comme d'habitude. À son retour, l'android avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté dans l'appartement. L'android pourrait avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. Ok. Le plaignant affirme avoir été attaqué par un android de modèle AV500 numéro 234-777-821, employé comme un serveur de restaurant Fast Cornet Dogs, situé 842 avenue Chamberlain. D'après le plaignant, l'android se serait subitement jeté sur lui et aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. Le plaignant affirme avoir été agressé par son android modèle AP700 numéro 493-217-213-802. Et saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. Ok. Depuis Nana, Tinley, explosé. De l'hôtesse Android de modèle VWR 400. L'Android a disparu après avoir accompagné un client à son domicile et n'est jamais revenu au club. Ok, bon vas-y, du coup, on va pouvoir. Oula, qu'est-ce que c'est que ça là hein. T'es retrouvé sans vie à son domicile suite à une altercation avec entre son Android et son fils. Dans sa déposition, ce dernier affirme que l'Android avait un comportement violent. L'Android, ce qui serait un prototype, modèle et numéro de série inconnu, a détruit sur place a été détruit sur place, ouais. Bon là du coup c'est Marcus. Kara, oh putain, what the fuck, y a Kara aussi. Le corps de la victime a été retrouvé par un ami passé lui rendre visite. Ce dernier a immédiatement appelé les secours à 8h42 qui ont prononcé le décès de la victime des suites d'une blessure par balle. L'arme du crime pourrait appartenir à la victime. Son droïde, un modèle AX400, n'était pas sur les lieux et constitue le principal suspect. Ok. Bon bah là du coup on a Kara et Marcus. Coucou Sinaraxi, comment tu vas toi? C'est plaisir de te voir. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé. Mail photographie, bonsoir à toi. Qui me rend très ancien ici. Par un AX400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Est-ce que je peux avoir une précision? Est-ce que c'était avec Maël ou c'était avec photographie le pseudo ou pas? Petit coucou à toi, bienvenue, comment tu vas? Ah ouais, le King. Waouh, oui, ok, ça date, ça date. Bah ouais, pareil, c'est vrai que ça fait un petit moment. Agressif, professionnel, on va être compréhensif. Moi je pense qu'il faut aller dans son sens, il faut le brosser dans le sens du poil comme Sumo, je pense. Mais vous devez les mettre de côté. Et... Hey, me parle pas comme si tu me connaissais, je suis pas ton copain. Coucou ici Matt, c'est mon gros bon anniversaire, okay. Ça dit quoi de beau King et Sirani... Oula, Sinaraxi. C'est quoi de beau King et Sinaraxi en ce moment? Déterminé, bon vas-y on va rester déterminé hein. Faut qu'on y aille doucement. On m'a confié cette mission, lieutenant. En même temps tu vois, j'impose un peu le ton sans trop être virulent. Oui, des trois. C'est bientôt les 3 ans de follow. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne. Moi, c'est connard. Et je voudrais le feu direct. Pas connard. Alors arrête Culé. De me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Putain. Lieutenant. C'est pas qu'il s'énerve, non, le monsieur, là. Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. Ah ouais, et du coup, tout va s'interrelier, du coup. Genre mon saumon avec des tagliatelles, ça marche, boule pollen. Splatoon série 3-2. Splatoon, ils ont fait un manga Splatoon? Je savais pas du tout. Bon. Bon, du coup, Hank a trouvé une piste, ok. Bon, de toute façon, oui, on a trouvé une piste, on sait où il faut aller, ok. Pas de soucis. Alors, du coup, la vraie question c'est. Attends, mais sinon, je quitte pour montrer. Attendez, est-ce que je peux aller au menu principal sinon?